Bonjour tout le monde, bienvenue à une autre capsule Bricot du Rift en partenariat avec TVTMIS qui nous prête leur équipement pour qu'on puisse vous divertir à la maison en cette période de confinement. Donc aujourd'hui, je vous propose une petite activité de printemps. Donc, on sait actuellement que les bourgeons sortent, le lac dégèle. Donc, je vous propose une activité avec du bois de grève donc, qu'on peut ramasser sur le majestueux lac Témiscamingue. Donc, j'ai ici un exemple de bâton de marche. Donc, selon ce que vous trouvez sur le bord du lac, vous pouvez vraiment vous laisser aller votre imagination. J'ai d'autres exemples ici de beaux morceaux de bois. Et celui-ci, dans lequel on voit un œil, donc on peut s'imaginer que c'est un animal. Donc, selon les morceaux de bois qu'on trouve sur la grève, on peut vraiment laisser aller notre imagination. Si on voit le visage d'un animal, on peut vraiment décider de venir peinturer ce visage-là. Donc, on peut se laisser inspirer par les morceaux de bois qu'on trouve. Donc, pour notre activité aujourd'hui, j'ai un petit morceau de bois sans peinture et on va utiliser de l'acrylique. Donc, bien important de l'acrylique parce que la gouache, en fait, la peinture à l'eau, lorsque vous allez prendre votre bâton de marche, avec la chaleur de vos doigts et l'humidité, la peinture va se décoller et vous allez en avoir sur les doigts. Donc, on y va vraiment avec une peinture acrylique. Une peinture au latex aussi, si vous avez des restants de peinture à mur à la maison, vous pouvez utiliser ça. Donc, évidemment, ça se lave un peu moins bien sur les vêtements, donc on se met un vieux chandail ou un petit sarrau pour ne pas salir nos beaux vêtements. Donc, j'ai fait une sélection de magnifiques couleurs et je vais m'exécuter tout de suite sur ma branche. J'ai deux types de pinceaux, donc j'ai un petit pinceau plus fin pour faire des détails et un plus gros pinceau pour faire des bandes de couleurs. Moi, je vais venir vraiment faire des motifs sur mon bois. Donc, je vais vraiment y aller, je vais venir faire des bandes colorées. Et on voit la peinture acrylique est quand même bien opaque, donc elle vient bien cacher la couleur du bois. C'est sûr que votre bois doit être sec lorsque vous venez appliquer de la peinture dessus. Donc, un bois humide va être plus foncé. La peinture va avoir tendance à craquer parce qu'un bois qui est trempé continue à être en mouvement et la peinture acrylique, elle, va venir vraiment sécher sur la paroi et devenir très dure. Donc, si le bois continue à bouger à cause de l'humidité, bien, votre peinture va craquer. Donc, j'ai vraiment seulement fait un petit bracelet à ma branche. Donc, je vais mettre quelques couleurs et on vous revient. Alors, tant qu'à aller vous promener à l'extérieur pour ramasser des bâtons, profitez-en pour ramasser les éléments que vous trouvez aussi qui pourraient être intéressants. Donc, j'ai trouvé des petites cocottes que je vais pouvoir venir coller sur mon bâton comme ça pour venir rajouter des textures et des couleurs différentes. J'ai aussi utilisé sur ce bâton-là une technique d'estampe. Donc, j'ai trouvé une feuille très texturée que je suis venue étamper sur mon morceau de bois. Donc, je vais faire la même chose ici avec un petit morceau de mousse végétale que j'ai trouvé. Donc, je vais venir le recouvrir avec de la peinture un peu plus foncée. Je vais utiliser mon autre pinceau. Comme ça. Je vais venir l'enduire de peinture. On ne veut pas trop en mettre, mais juste assez pour que les tempes paraissent sur notre bâton. Évidemment, on va se salir un peu les doigts en faisant ça. Et je vais venir le mettre ici sur la surface qui est blanche. Donc, vraiment juste pour l'étamper. Vous pouvez décider de venir la coller aussi. Moi, je préfère le faire en estampe. Donc, je viens l'étamper un peu partout sur ma surface. Et ça peut donner des petits motifs intéressants et différents sur votre bâton. Par la suite, vous pouvez décider de venir regrouper tous les bâtons de la famille dans un pot de fleurs pour faire comme si c'était un ornement qui avait poussé dans votre pot. Oh, c'est trop loin. Merci à ma collègue Claudelle. Donc, je mets des petites croches dans le fond. Je pense que j'en ai suffisamment. Je vais juste mettre
mettre des petites roches dans le fond pour que les bâtons tiennent et je vais juste venir les placer dedans comme ça. Et ça va nous donner l'impression qu'on a un beau pot de fleurs qui a poussé tout seul avec plein de belles couleurs. Donc, vous pouvez vraiment laisser place à votre imagination, dessiner, peindre des animaux dessus, des personnages, des éléments de la nature aussi. Donc, j'espère que vous allez profiter du printemps pour sortir à l'extérieur et faire des belles activités avec ce que vous trouvez dans la nature. Donc, suivez-nous sur le Rift pour avoir toutes nos capsules bricots ou sur le rift.ca dans l'onglet capsules bricots pour avoir accès à toutes nos propositions d'activités. Merci à TV Témis pour le prêt de l'équipement et sur ce, je vous souhaite bonne création. Au revoir!